Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le projet Stream Bureau mis au point dans le cadre de l'UVCP41 à l'UTBM. Ce véhicule a vu le jour pour lutter contre la pollution des villes qui est devenue un des enjeux majeurs du 21e siècle, contre les embouteillages qui ruinent la vie des automobilistes tous les matins et contre le stationnement qui est devenu presque impossible dans certaines agglomérations à travers le monde. La solution est l'Estrimabiro à hydrogène. Il s'agit d'un petit véhicule propulsé par une pile à combustible et disponible sans permis. Celui-ci est très facile à stationner vu ses mensurations, 1 mètre de large pour 2 mètres de long, vous pouvez le voir ici au Louvre. Et de plus, deux Estrimabiro peuvent facilement stationner sur une seule place de parking, comme vous pouvez le voir. Le système de pile à combustible est désécologique car il ne fonctionne qu'avec de l'hydrogène et celui-ci alimente un moteur électrique situé dans les roues arrière du véhicule. Ce véhicule est disponible sans permis, ce qui permet à une large part de la population d'y avoir accès à partir de 16 ans. Il est ergonomique et son poste de pilotage confortable est accessible à tous. Le système d'amortissement permet d'absorber toutes les perturbations dans un milieu urbain. Et un système de direction filaire permet une maniabilité excellente du véhicule. La carrosserie en aluminium assure aussi une sécurité avec les piétons, vu que celle-ci est très souple et celle-ci absorbe très bien les chocs. Différentes coloris sont disponibles pour le véhicule, ce qui permet à toutes les villes d'avoir leur propre Estrimabiro personnalisable disponible en autopartage. Si vous êtes intéressé pour travailler sur ce projet, envoyez un mail à kevin.husson@qtbm.fr.